Bonjour à tous, je m'appelle Ilalfaït François, je suis doctorant en première année au sein du groupe de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances, où je suis encadré par notre directeur de laboratoire, le professeur Nassila. Donc mon sujet de thèse que je vais vous présenter aujourd'hui concerne l'étude de l'intérêt du mécanisme d'action des psychédéliques dans le trouble de l'usage d'alcool. Et je vais particulièrement m'intéresser au LSD. Cette thèse, elle est financée par l'INSERM, ainsi que notre région Les Hauts-de-France, et elle est aussi financée par l'IRESP, donc l'Institut pour la recherche en santé publique, ainsi que l'INCa, l'Institut national du cancer. Donc avant de commencer ma présentation, je vais dire quelques petits mots par rapport au contexte. Donc notre laboratoire, il prend place dans une dynamique de recherche translationnelle nationale par le biais d'un projet qui s'appelle ADELI. Ce projet concerne le traitement de la dépendance à l'alcool avec l'acide lysergique diéthylamide. Il est financé par l'IRESP et l'INCa. Donc dans ce groupe, il y a différentes équipes, des équipes cliniques et des équipes précliniques. Et nous, notre rôle, ça va être de valider l'efficacité et la sûreté du LSD dans le cadre du trouble de l'usage d'alcool sur un modèle murin. Dans le cadre de mon projet de thèse, je suis donc amené à travailler sur le projet ADELI. Et vous l'aurez remarqué, ces deux projets sont assez similaires. Toutefois, ma thèse, elle va se distinguer par tout un onglet d'études neurobiologiques, de mécanismes neurobiologiques, et on verra tout cela dans la dernière partie de ma présentation. Donc, l'alcool, c'est une substance psychoactive consommée de manière récréative par une grande portion de la population française. Une consommation excessive et chronique d'alcool est à l'origine d'une pathologie qui est appelée le trouble de l'usage d'alcool. En France, cette pathologie touche 10% des personnes adultes et c'est la première cause d'hospitalisation. Chaque année, 41 000 décès sont attribués à l'alcool. Afin de venir en aide aux personnes en situation de TUA, il existe différents traitements. Ce sont soit des traitements de réduction de la consommation ou encore de maintien de l'abstinence. Malheureusement, ces derniers, ils ont une taille d'effet qui est faible à modérée, car selon les méta-analyses, plus de 50% des patients traités vont rechuter 6 mois post-sevrage. Ainsi, afin d'améliorer la prise en charge des personnes en situation de trouble de l'usage d'alcool, et d'ajouter de nouveaux arsenaux à notre outil d'arsenal, pardon, il est nécessaire de découvrir de nouveaux traitements. Depuis le début de la dernière décennie, on assiste à une renaissance des psychédéliques dans le milieu médical. Ce sont des composés psychotropes hallucinogènes qui sont administrés en complément de la psychothérapie et qui pourraient révolutionner notre manière de traiter les différents troubles mentaux. Dans une étude récente de Bogenschulz et son équipe, ils montrent qu'une dose unique de psilocybine est capable de réduire la consommation journalière d'alcool jusqu'à 9 mois post-traitement chez 10 patients atteints d'alcoolodépendance. Encore plus récemment, Bogenschulz et son équipe ont appuyé leurs résultats précédents par une étude clinique randomisée, contrôlée et en double aveugle, dans laquelle ils ont montré que la psychothérapie assistée par psilocybine permet de réduire de manière efficace la consommation d'alcool de 96 souffrants de l'usage d'alcool. Donc ces premières études sont très encourageantes, mais surlignent également le manque d'études similaires sur le LSD, car le peu d'études que l'on retrouve sont des études rétrospectives ou encore des questionnaires en ligne indiquant une diminution de la consommation d'alcool après soit micro-dosage de LSD ou bien après une consommation récréative. En préclinique, ce qu'on retrouve, c'est assez similaire. Donc la psilocybine, elle a gagné pas mal de popularité comparée au LSD, ce qui souligne encore une fois la nécessité donc d'études cliniques et précliniques spécifiques au LSD. Donc rapidement, qu'est-ce qu'un psychédélique? Donc le terme psychédélique a été inventé par Humphrey Osmond, un psychiatre anglais en 1957. Il signifie qui révèle l'âme. Il vient du grec psyché qui signifie âme et délios qui rendre visible, révélé. Donc un psychédélique, c'est avant tout une substance hallucinogène capable de générer des expériences uniques et profondes. Un psychédélique va être dit classique lorsque ses effets proviennent d'une interaction avec les récepteurs sérotoninergiques et plus précisément le récepteur 5-HT2A. La fixation prolongée de ces molécules sur les 5-HT2A entraîne une modification de la perception du temps et de l'espace. On parle notamment d'hallucination. Donc les récepteurs 5-HT2A, ils sont retrouvés un peu partout dans le cerveau, comme vous pouvez le voir ici. Ils ne sont pas spécifiques à une sous-population neuronale précise. Ils se trouvent à la fois au niveau des neurones dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale, des neurones GABAergiques du noyau accumbens, ainsi que des neurones glutamatergiques au niveau du cortex préfrontal. Par contre, ils sont particulièrement enrichis au niveau de la couche 4 du cortex et les effets hallucinogènes seraient principalement médiés par la fixation des psychédéliques à ce niveau. Notre laboratoire s'intéresse aux psychédéliques depuis maintenant plusieurs années. Nous avons commencé par travailler sur la psilocybine et Jérôme Jeanblanc, qui est avec nous aujourd'hui, avait notamment montré que la psilocybine réduisait la consommation d'alcool dans un modèle opérant de troubles de l'usage d'alcool.
Lors de mon master, j'ai pu travailler sur la kétamine, qui est un psychédélique dit non classique. Il ne se fixe pas au 5-HT2A, mais plutôt c'est un antagoniste NMDA. J'avais montré que la kétamine, elle aussi, réduisait de manière efficace la consommation d'alcool. Et depuis le début de ma thèse, on étudie maintenant le LSD. Donc notre hypothèse est que les psychédéliques pourraient réverser la disconnectivité cérébrale que l'on retrouve dans le trouble de l'usage d'alcool et qui est issue d'une modification de la force entre les connexions de différentes structures du circuit de la récompense. Notre deuxième hypothèse est que les psychédéliques pourraient également réverser l'hypoactivité préfrontale que l'on retrouve dans le trouble de l'usage d'alcool. Pour réaliser ce projet, j'ai tout d'abord commencé par l'évaluation des effets du LSD sur le comportement des rats et notamment sur leur consommation d'alcool. Donc voici la timeline de mes expériences. En début de thèse, j'ai reçu 52 rats mâles de la souche Long Evans, âgés de 6 semaines. J'ai dès lors commencé les expériences des expériences par le paradigme d'accès intermittent en double choix éthanol-eau. Les rats sont placés dans une cage avec à disposition un biberon d'éthanol ainsi qu'un biberon d'eau durant 24 heures. Un jour sur deux, les biberons y vont être pesés et les résultats obtenus vont montrer une escalade de leur consommation au fil des sessions. Donc, au cours des 5 dernières sessions, on peut voir que leur consommation est stable et tourne autour de 6 grammes par kilogramme en 24 heures. Une fois cette première étape réalisée, j'ai ensuite pu démarrer l'apprentissage de notre test comportemental d'auto-administration opérant chronique. Pour cela, les rats sont placés dans une cage qui est appelée une boîte de Skinner, où ils vont être conditionnés à recevoir une récompense en échange d'un travail. À chaque fois qu'ils vont appuyer sur un levier actif, à chaque appui sur un levier actif, un stimulus visuel contingent va annoncer la distribution d'une récompense, et donc le rat va réaliser un apprentissage liant son action à la distribution de l'éthanol. En contrôle, on va utiliser un levier inactif sur lequel l'appui n'entraîne aucune conséquence. Donc l'apprentissage, il va être long et il va nécessiter une évolution. Donc au début, on demande un seul appui pour obtenir une goutte d'éthanol, donc on est en ratio fixe de 1. Puis on va augmenter l'effort à fournir pour obtenir la même quantité d'éthanol, on va passer en ratio fixe de 3, donc 3 appuis pour une récompense. En fin d'apprentissage, la session dure environ 30 minutes. Donc voici les résultats que j'ai obtenus au cours des 5 dernières sessions d'apprentissage, représentant en ordonnée ici le nombre d'appuis, que ce soit sur le levier actif en noir ou bien le levier inactif en gris. Comme on le voit, l'animal y distingue tout d'abord bien les deux leviers et il appuie en moyenne 65 fois sur le levier actif. Donc ceci c'est directement corrélé avec la quantité d'alcool qui est distribuée, et donc la quantité consommée. Et à la fin de l'apprentissage, la consommation volontaire d'éthanol, elle est stable et elle dépasse les 0,8 grammes par kilogramme en 30 minutes, ce qui est assez conséquent. Donc une fois le comportement opérant des rats stable, j'ai pu démarrer les expériences d'évaluation des effets du LSD sur la consommation d'éthanol. Donc on a utilisé 3 doses de LSD ainsi qu'un placebo qui est une solution saline. Donc tout d'abord, on a réalisé une pseudo-randomisation afin de séparer les rats en cohortes en 4 groupes de 12 à 13 rats avec une consommation moyenne identique. Donc bien sûr, tout le protocole a été réalisé en aveugle. 4 heures avant la session opérante, les animaux ont reçu une injection intrapéritonéale d'une des 3 doses de LSD ou bien de la solution saline. Voici les résultats que j'ai obtenus. Donc, ici à gauche sont représentés l'effet du LSD sur le nombre d'appuis sur le levier actif ainsi que sur la consommation d'éthanol. Donc, comme on peut le voir, le LSD réduit de manière dose dépendante le nombre d'appuis sur le levier et de même pour la consommation d'éthanol. Ici, vous pouvez voir que la différence entre le groupe ayant reçu la plus forte dose de LSD et le groupe contrôle n'atteint pas le seuil de significativité, mais elle est très proche avec une p-value de 0,059. Donc, voici les mêmes données, cette fois-ci représentées sous forme de nuages de points. Et comme vous pouvez le voir, on a une belle distribution de nos échantillons et bien sûr, on a de la variabilité. C'est tout à fait normal en comportement puisqu'on est en between. On compare des groupes de rats à des groupes de rats. Or, chaque rat va bien sûr agir différemment à l'alcool, premièrement, ainsi qu'au LSD. Donc maintenant, si on regarde un seul groupe, le groupe qui aura reçu la plus forte dose d'LSD, et que l'on compare sa consommation à sa consommation initiale, donc avant toute expérience, on s'aperçoit bien que l'entièreté de ce groupe, ou la grande majorité, a effectivement diminué sa consommation. Ainsi, ce premier résultat est encourageant et il nous montre que la plus forte dose de LSD, 500 microgrammes par kilogramme, réduit plus de 30% la consommation d'alcool de nos rats. Afin d'affiner notre analyse, on a récupéré les données brutes issues de cette session opérante que l'on a analysées afin de faire ressortir la cinétique d'appui des rats sur le levier actif ainsi que la latence à l'obtention de la première récompense. Donc ici à gauche,
On a représenté les appuis cumulés par tranche de 5 minutes. On voit que le groupe contrôle appuie en moyenne 28 fois durant les 5 premières minutes, et au bout de 30 minutes, il a appuyé environ 45 fois. Pour le groupe qui a reçu la dose la plus forte de LSD, on observe un nombre d'appuis plus faible en début de session, qui ne dépasse pas les 30 au bout de 30 minutes. Ainsi, la quantité d'alcool consommée est diminuée dès le début de la session. Donc cela est directement corrélé avec l'analyse de la latence à l'obtention de la première récompense, qui nous montre qu'en moyenne, le groupe contrôle obtient sa première récompense au bout de 45 secondes, alors que le groupe qui a reçu la plus forte dose de LSD l'obtient au bout de 1 minute 30. Par la suite, j'ai aussi calculé la durée totale de l'épisode consommatoire, ainsi que le nombre de bouts de consommation, ainsi que la consommation en alcool par bout. Donc un bout se définit comme l'obtention d'un minimum de 3 récompenses consécutives sans une interruption supérieure à 30 secondes. Donc comme vous pouvez le voir, le LSD ne modifie ni la durée totale de l'épisode consommatoire, ni le nombre de bouts. Ainsi, dans l'ensemble, ces résultats nous montrent que le LSD réduit la quantité d'alcool consommée sans modifier la manière dont le rat consomme au sein de la cage opérante. Donc la consommation, c'est un des premiers critères du trouble de l'usage d'alcool. Il y en a d'autres et par la suite, je me suis donc intéressé aux effets de la plus forte dose de LSD sur les autres critères et j'ai commencé par le seeking ou en français la recherche d'alcool. Donc pour ce faire, on utilise un protocole de seeking où on va exposer l'animal aux différents indices contextuels de l'environnement opérant, mais cette fois-ci en absence d'éthanol. Donc les rats vont appuyer sur le levier, déclencher les stimuli visuels et sonores, mais la pompe, elle ne délivrera jamais d'alcool. Cela va donc nous permettre d'induire un craving chez le rat, une envie irrépressible de consommer, et ainsi on va pouvoir étudier le comportement de recherche d'alcool des rats. Donc c'est comme chez l'homme. Certains rats vont présenter de fortes envies de consommer et continueront d'appuyer malgré l'absence d'alcool, alors que d'autres vont abandonner. Donc, nous pouvons ainsi, par ce protocole, étudier l'effet d'une injection de LSD sur le seeking, et cela après différentes périodes d'abstinence. Et voici donc le protocole que j'ai utilisé. Donc, après les expériences sur la consommation, j'ai permis aux rats de récupérer durant 2 semaines en auto-administration. J'ai ensuite réalisé une nouvelle pseudo-randomisation, afin cette fois-ci de séparer les rats en 3 groupes de consommation égale. J'ai ensuite réalisé 3 différentes sessions de seeking, une un jour après l'arrêt de la consommation, une 7 jours après et une après 1 mois d'abstinence. Donc le premier groupe contrôle, il ne reçoit que de la saline durant les 3 expériences de seeking. Le deuxième groupe, il ne reçoit que du LSD 4 heures avant chaque expérience de seeking. Et le troisième groupe, lui, reçoit d'abord 2 fois de la saline et puis après 30 jours d'abstinence, il reçoit du LSD avant le dernier seeking. Donc cela va notamment nous permettre de contrôler l'effet de multiples injections par rapport à une seule injection aiguë de LSD. Voici donc les résultats que j'ai obtenus. Donc ici sont représentés le nombre d'appuis sur le levier actif du deuxième groupe, celui qui n'aura reçu que du LSD, ou bien et du troisième groupe, qui aura reçu du LSD que à la dernière session. Donc pour le deuxième groupe, on observe que le nombre d'appuis initial est en moyenne de 65 et que cela n'a pas diminué significativement après la première injection de LSD au seeking 1. Toutefois, le nombre a diminué de moitié lors des sessions de seeking 7 et 30. Lorsqu'on regarde les données du groupe 3, celui qui n'a reçu donc que du LSD à la dernière session, on voit une nette diminution uniquement lorsque le LSD avait été administré. Voici une figure bilan qui récapitule toutes les expériences de seeking pour les 3 groupes. On voit que comparativement au groupe contrôle en vert, le groupe qui n'a reçu que du LSD en gris montre une diminution du seeking dès la première intervention. Et puis, cette diminution reste au niveau des interventions suivantes. Pour le groupe qui aura reçu de la saline durant les 2 premières interventions, on voit bien qu'il n'y a aucune différence avec le groupe contrôle et que la différence apparaît uniquement lors de la troisième session de seeking, lorsqu'il avait reçu du LSD. Ainsi, ces résultats nous indiquent qu'une injection aiguë de LSD est suffisante pour réduire le seeking de plus de 30%. Il apparaît également que l'injection de LSD de manière répétée, ici, ne semble pas augmenter l'efficacité du LSD, comme on peut le voir ici ou bien ici. Nous avons réalisé qu'en fait, il y avait 2 sous-populations dans ce groupe de LSD qui avaient reçu le LSD 3 fois d'affilée. On a réalisé qu'il y avait en fait 2 sous-populations. Donc cela, c'est grâce à une analyse poussée des données individuelles. On a remarqué que 4 rats échappaient au traitement. Et donc lorsque l'on compare le nombre d'appuis actifs qu'ils ont réalisés au jour 30 par rapport à une baseline du jour 7, on voit bien que ces 4 rats ont augmenté de manière disproportionnée leur nombre d'appuis avec un plus 100% d'appuis.
Ainsi, après avoir séparé donc, le groupe LSD en deux sous-populations, on peut voir qu'au jour 30, les non-tolérants au LSD, on les a appelés comme ça, les 9 rats qui n'ont pas augmenté leur nombre d'appuis, se trouvent au même niveau que les rats qui ont reçu du LSD lors de la troisième session, et ils sont tous en dessous des rats contrôle. Et bien sûr, on retrouve les 4 rats tolérants qui se trouvent tout en haut ici. Donc ces premiers résultats sont très intéressants et méritent aussi que dans le futur, on se penche sur la question des répondeurs non répondeurs au LSD dans nos populations de rats. Donc, le LSD, on a vu qu'il réduisait la consommation d'alcool et la recherche d'alcool. Et pour finir, on a réalisé des premières expériences afin d'évaluer les effets du LSD, cette fois-ci sur la rechute. Donc, l'ensemble des rats du premier groupe saline et du groupe qui n'aura reçu que du LSD ont d'abord été réintroduits en auto-administration pendant 2 semaines. Et ensuite, on leur a fait subir une période d'abstinence de 4 semaines avant de les injecter avec du LSD et de regarder leur consommation lors d'une session, cette fois-ci avec éthanol. Donc ici sont représentées la consommation d'éthanol de chacun des groupes comparée à leur ligne de base. Donc on peut voir que le LSD réduit de manière identique les niveaux de rechute pour ces deux groupes, et cela est très intéressant puisque l'un des groupes avait déjà reçu des injections multiples de LSD. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le LSD reste efficace même lorsqu'il y a eu des injections multiples. Lorsque j'ai remis les rats à consommer le lendemain de cette session de rechute, on observe un retour à la ligne de base pour les deux groupes. Ainsi, ce que l'on peut dire, c'est que les effets du LSD sont transitoires et qu'il n'y a aucun effet à long terme. Dans l'ensemble, mes résultats montrent que le LSD est capable de réduire la consommation d'alcool, la recherche d'alcool ainsi que les niveaux de rechute, cela de manière transitoire et non dépendante du passé pharmacologique de l'animal. Donc ces résultats suggèrent des différences de réponse à la drogue entre les individus. Et donc, on accordera plus d'importance dans le futur à cette question de répondeur-non-répondeur. À l'avenir, on souhaite aussi poursuivre les expériences de comportement en confirmant tout d'abord les résultats qu'on a obtenus sur la rechute, mais cette fois-ci sur des animaux naïfs au LSD. Et on va également contrôler les effets du LSD sur d'autres paramètres de la consommation, et notamment la motivation pour la consommation d'alcool, ainsi que la compulsion pour la consommation d'alcool. À l'issue de tout ça, ma thèse se poursuivra donc par un premier onglet de pharmacologie dans lequel on tentera de bloquer les effets du LSD directement avec des injections de différents antagonistes dans les structures du circuit de la récompense. Ensuite, j'entreprendrai des expériences d'exploration neurobiologique afin d'évaluer les effets de l'alcool et du LSD sur les différents systèmes de neurotransmission, que ce soit glutamatergique, dopaminergique, ainsi que sur la connectivité cérébrale, et cela grâce à des expériences d'IRM. Donc actuellement, on est en train de réaliser des expériences pilotes en électrophysiologie et elles semblent indiquer que LSD modifie l'excitabilité du nucleus accumbens. Donc voilà, c'est tout pour moi et je vous remercie de votre écoute. Je vous ai laissé mon mail ici si vous souhaitez me contacter ou communiquer avec moi en général.